pas chaud aujourd'hui. Hein. Bon, et bien voilà, soyez les bienvenus en direct live sur notre page Facebook à tout commerce. Comme à l'habitude, nous nous baladons de ville en village pour vous présenter nos commerçants et artisans adhérents. Je suis au milieu de la route, je guette juste les voitures, j'ai pas envie de me faire écraser. Bon, allez, on attend un petit peu les connexions. Allez-y, hein, ceux qui nous regardent, commencez à faire des pouces et des likes juste pour être sûr que ça fonctionne. Voilà, allez-y, des petits pouces, des petits cœurs, montrez-nous. Maud qui est juste derrière la caméra, ça va Maud ? Impeccable, très bon, bien. Bon, tu me dis si tout fonctionne. Ça a l'air bon, de ça fonctionner. Fait des pouces, des cœurs, on commence ? Pas encore. Pas encore. Allez-y, hein, cliquez là tout en bas, faites-moi un petit coucou, juste pour voir qu'on est, que c'est OK, que l'image pour vous est bonne et que vous nous entendez bien. On y va ? Clac, clac, clac. Bon, dernier truc, vous allez pouvoir le voir sur notre page Facebook, on a un projet pub. On cherche des acteurs et des figurants pour notre publicité. Alors, si ça vous intéresse, on recherche un homme, une femme. Ça se passe dans les posts sur notre page. Voilà. Allez, il y a du monde. Ça y est, vous êtes là, vous êtes prêts? Alors aujourd'hui, on est à Tarare. On est à l'Institut de Beauté Eden. Et on va aller rencontrer Pauline et son équipe. Et on va pouvoir vous faire donc visiter son institut. Allez, on rentre, il fait pas chaud. Hein. Vous venez avec moi? C'est parti. Bien voilà, bonjour, bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bon, bonjour Pauline, merci de nous accueillir pour ce petit direct live. Avec plaisir. Ça va? Pas de pression? Un peu. Fais comme ça, relâche. Voilà, moi je vais aller me faire masser en attendant. D'accord, oui, je te laisse la caméra. Tu seras bien détendu comme ça. Hein. Bon, merci de nous recevoir ici dans ton institut. Alors Pauline, nous sommes donc à Tarare, tu es esthéticienne. Depuis quand? Alors, depuis 2002. Ah oui. Et je suis installée sur Tarare, pareil, depuis 2002. J'ai terminé mes études et j'ai eu la chance de pouvoir m'installer très rapidement puisque ma maman était coiffeuse sur Tarare et avait un commerce depuis plus de 30 ans. Et donc, du coup, j'ai commencé dans les arrières du salon de coiffure de ma maman. Bon, et alors, il y avait une petite vocation alors derrière voilà. Tout ça. Voilà, au niveau commerce, oui. Tu baignais un petit peu dans le... Exactement. Bon, c'est génial. Juste pour préciser aussi aux personnes qui nous regardent, Pauline, tu es aussi la présidente de l'Union commerciale de Tarare, la nouvelle présidente. Aussi. Bon, pourquoi cet engagement? Eh bien, parce que je faisais déjà partie du bureau et puis j'ai vraiment, je crois beaucoup en Tarare et aux alentours. Et je trouve que c'est important qu'on ait aussi une équipe de nouveaux commerçants avec l'expérience des anciens commerçants pour qu'on puisse vraiment être unis et faire vraiment force pour arriver à développer notre ville et tout ce qui l'accompagne, parce que c'est vraiment chouette. Il y a plein de choses à faire sur Tarare et c'est top. Allons-y, hein. Faut promouvoir le commerce de proximité, vous l'avez compris, c'est avec Pauline à Tarare que ça se passe. Alors, vous qui nous regardez, on est pendant 30 minutes ensemble et vous allez découvrir l'Institut de Beauté Eden. Voilà, continuez hein, de partager là tout en bas, de faire des cœurs, des pouces et puis aussi d'écrire des petits commentaires, de faire des petits coucous. Il y a Maud hein, qui est l'autre côté qui va nous retranscrire tout ça en live. À vos claviers, c'est maintenant, on est pendant 30 minutes ensemble. Alors, on va découvrir cet institut. Il y a une surprise qu'on dévoilera à la fin de la vidéo. Comme ça, ça vous oblige à continuer de regarder, d'accord? Mais du coup, on va visiter l'institut que tu as ici depuis 2002. Alors ici, depuis 2011, du coup, depuis puisque 2011. J'ai déménagé du salon de coiffure de ma maman en 2011. D'accord, voilà. Donc tu as commencé dans le salon de coiffure voilà, de maman. Voilà, c'est ça. Génial. Donc voilà. Une préhistoire famille. C'est ça. Et puis après, bah, j'ai pris mon envol et puis je suis venue ici toute seule. Et donc voilà. Alors, on va te suivre pour la visite guidée. Et puis en même temps, tu vas nous expliquer ce que vous proposez en service. Je crois qu'il y avait une partie de ton équipe, mais elle a disparu. Ah, on va les appeler. Elles sont occupées. En attendant, on a un petit coucou de Carole. Bonjour Carole. Eh ben bonjour Carole. Bonjour. Bon alors, présente-nous ton équipe. Alors, donc voici Manon. Donc Manon est employée à l'Institut depuis fin 2019 maintenant. 2 ans, oui. Donc voilà. Donc elle est esthéticienne diplômée et elle a beaucoup travaillé aussi en spa. Voilà.
Donc, elle a une spécialisation aussi pour les massages. Et puis, on a notre petite dernière, Angelina, donc, qui est en dernière année de brevet professionnel. Donc, voilà, elle termine fin d'année prochaine. Bon, bah super. Voilà, et puis il nous manque notre petite Heidi qui ne travaille pas aujourd'hui, donc du coup, et qui est avec moi depuis 7 ans, puisqu'elle a démarré, elle avait 16 ans en apprentissage, et maintenant elle a fait son CAP, son brevet professionnel à l'Institut, et maintenant elle est employée déjà depuis au moins 3-4 ans. Ouais. Bon, du coup, c'est sûr, elle nous regarde et on lui fait un c'est petit coup. C'est sûr. Bon, allez, je te laisse nous faire la visite. Oui, allez. Et on te suit. Alors, voilà. Donc là, on a notre espace vente où on retrouve tous nos produits à la vente. Donc, on a la marque Talgo qui est une marque marine. Pareil, qui est beaucoup spécialisée dans tout ce qui est spa, massage, soins du visage. Donc, on retrouve aussi bien le côté technique et résultats pour les soins du visage et du corps, et puis le côté vraiment très sensoriel et détente. D'accord. Voilà. Okay. On a également Maricor, une marque avec laquelle j'ai travaillé depuis des années. C'est une marque que j'affectionne beaucoup aussi, puisque c'est de la cosmétique végétale. Simplement, aujourd'hui, j'ai fait le choix de conserver Talgo en priorité puisque ça correspond plus à notre futur. D'accord. Voilà. Okay. Et nous avons également... Il y a plein d'indices. Il y a plein d'indices pour ceux qui nous écoutent. Attention, elle donne plein d'indices. L'info, la vraie surprise, c'est à la fin de cette vidéo. Ah, il y a Maud qui lève la main. Il y a un petit message. On a Heidi qui dit coucou et Udo qui dit troc bière contre soin. Ah, ça se discute. Et ensuite, on a donc notre maquillage, donc le maquillage Pupa, qui est une marque italienne. Et donc, on retrouve toute une gamme très complète, en fond de teint, rouge à lèvres, fard à paupières et notamment aussi vernis à ongles. Alors, tiens, on est du côté maquillage. Pour les dames qui nous parlent, tu nous as montré du maquillage, des crèmes, des choses comme ça. Est-ce que tu as un petit conseil beauté, quelque chose pour ces dames, je ne sais pas, pour des peaux, peut-être, est-ce que ça se dit une peau difficile? Moi, je ne connais rien. Alors, c'est comme tout, hein, c'est des cheveux plus faciles, des peaux plus difficiles. Non, ce qui est important, c'est très, très important de bien prendre soin de sa peau dès le plus jeune âge. Hein, dès l'adolescence, c'est important parce que ça permet d'apprendre les bons gestes, d'avoir une bonne routine beauté. Donc, ce qui est vraiment important, c'est le nettoyage. Souvent, on oublie ça. De nettoyer le visage parce qu'on se dit je ne me maquille pas par exemple. Donc, et on nettoie avec quoi du coup? Parce que moi j'y connais rien. Voilà. Hein, donc on entend beaucoup, bah, moi je ne me maquille pas donc je me nettoie à l'eau. Non, le corps on ne se le nettoierait pas à l'eau, donc le visage c'est pareil. Donc de là, on utilise plein de produits différents. On peut avoir des mousses nettoyantes, on peut avoir des gels, on peut avoir des crèmes nettoyantes, on peut avoir des huiles, des laits démaquillants. Et là c'est en fonction des besoins de la peau qu'on va pouvoir choisir le bon démaquillant. D'accord. Et du coup, toi et ton équipe, vous êtes là pour conseiller exactement les personnes qui viennent nous voir et vous allez lui donner le bon produit pour la bonne peau. Exactement, qui va être adapté à ses besoins. Ah, voilà, vous avez compris, mesdames. Alors, allez-y, hein, si vous voulez un petit conseil beauté, vous avez une petite question, allez-y, pianotez. Hein. Elle va répondre en direct. Allez, on visite. Allez, c'est parti. Alors, nous avons une première cabine. Allez-y, je vous laisse rentrer. Comme si vous y étiez. Donc, c'est une cabine, ce qu'on appelle polyvalente, puisque dans cette cabine, on peut absolument faire les épilations, les soins du visage, les soins du corps. D'accord. Elle est vraiment adaptée pour pouvoir... Donc, épilation, soins du corps... soins du corps, c'est tout ce qui est épilation, c'est ce qu'on appelle... Alors, non, c'est vraiment épilation, donc okay, pour enlever les poils. Okay. Et après, tout ce qui est soins du corps, c'est les massages. D'accord. Et dans les massages, tu peux avoir des gommages pour le corps, tu peux avoir... après, c'est des massages aux huiles. Et ensuite, tu as les soins visage. Donc, soins visage en fonction toujours du type de peau, puisqu'on va pouvoir faire des soins vraiment personnalisés. Maud qui lève la main. On a Muriel qui fait coucou les filles et Croquette, la mousse est super.
Voilà. Et la mousse, alors je sais pas si la mousse pour le visage que la tu as parlé tout à l'heure. La mousse nettoyante pour le visage, voilà. D'accord, qu'on retrouve chez toi, du coup. Exactement. C'est ça. Bah, du coup, allez-y, passez aussi des commandes en ligne sur ton idée. Pas de problème, on va faire notre petit marché, on va le faire pour vous, si vous voulez. Donc, alors, là, c'est le premier espace, épilation. Épilation, on peut faire soin visage, soin du corps, voilà. En fonction des rendez-vous, c'est une cabine polyvalente. Ok, super. Voilà. Ah, on continue. Allez, on continue. Allez, donc, dans celle-ci, on retrouve notre espace onglerie. Donc, on fait tout ce qui est beauté des mains. On fait également la pose de vernis semi-permanent. Actuellement, on ne pose plus de gel. Hein, on fait juste le vernis semi-permanent et les soins des mains. Ah oui, effectivement, il y a toutes les couleurs. Hein. Voilà, là, il y a quand même du choix. C'est quoi la couleur tendance, tiens, dis-nous. Alors là, on va rentrer sur l'automne. Donc, on retrouve quand même toujours un petit peu nos prunes qui sont très, très beaux. Alors, fais-nous voir. Montre-nous. Donne envie à ceux qui nous regardent. Et puis aussi, je pense aux fêtes. Je pense que les fêtes arrivent à grands pas. C'est les paillettes. Il y aura les paillettes. Il n'y a pas de fête sans paillettes. C'est pas possible. On en met partout les paillettes. Mes clientes le savent. Aujourd'hui, quand elles viennent pour les fêtes, il y a des paillettes. Alors, donc, on a, tu vois, toutes ces couleurs-là. Bon, mode, dis-nous. Non, mais tu seras plus. Ce sera beaucoup mieux si toi, tu donnes ton avis que moi. Alors, moi, pour le coup, j'adore celui-ci. Voilà. Mais après. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se faire plaisir, puis on n'est pas obligé de rester dans le conventionnel. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'on peut mettre que des couleurs foncées. On se fait plaisir, chacun ses envies et moi, ses choix. Moi, je retiens les paillettes pour les ouais, fêtes. Ouais, alors attends, je vais te les montrer les paillettes, regarde. Montre-moi ton doigt, voilà, tu vas voir comme c'est beau. Mais fais voir ton doigt, oh, regarde. Magnifique. Ah bah ça tirait parfaitement bien. Tenu. Allez, un peu doré. Dites ce que vous en pensez. Hein. Si vous aimez les paillettes sur mes mains, moi qui ai des ongles horribles, j'ai même honte. Mais du coup, vous pouvez liker. Dites-moi ce que vous en pensez si c'est pas mal. Moi, je vais passer des belles soirées avec ça, moi. Je vous le dis. Je pense. Ça s'annonce bien. Et donc, dans cette cabine, on peut également faire là donc que des épilations. D'accord. Et puis okay. Tout ce qui est soin des pieds. D'accord. Ah oui. Mais en fait, je découvre quand même un peu un univers oui. où vraiment, c'est des soins de la tête aux pieds, du coup. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, quand tu parles de pieds, c'est pas forcément que de faire les ongles. Non, on est vraiment sur du soin. Donc, nous, on embellit le pied. On ne traite pas. Hein. Ça, c'est du domaine du podologue. Exactement. Donc, on va s'occuper effectivement des ongles, mais on va aussi s'occuper des callosités. On va venir adoucir les talons et on va aussi souvent apporter un massage pour le côté détente. Le massage des pieds. Royal. Une merveille. Et donc ensuite, la dernière cabine. Alors du coup, on parlait de massage des pieds, vous allez voir, il y a encore mieux que ça. Et donc dans cette cabine, on a plusieurs possibilités, puisqu'on peut également venir se faire masser seul, mais aussi en duo. Allez, on rentre. Ah, donc vous pouvez venir avec votre moitié, vous pouvez venir également avec votre enfant. Nous faisons aussi on fait des soins enfants. Donc bien évidemment, ces soins enfants ne sont pas là pour traiter la peau. Hors de question, on ne traite pas la peau des enfants. On leur apporte juste un premier... c'est le début pour voilà, prendre c'est, soin c'est de son petit corps. C'est un moment de détente exactement, aussi. Exactement. Et quand ils viennent à deux, et ben c'est aussi un moment de partage. Donc on passe vraiment des très bons moments parce que c'est un moment de complicité. Et du coup, ça part sympa. De quel âge ? Alors, les massages, on peut proposer à partir de 3 ans. Souvent, 3 ans, c'est un petit peu petit. Ça dépend de l'enfant. 3 ans, c'est pas plus de 20 minutes. Voilà. Nous, après, on va s'adapter. Donc, on peut très bien avoir juste du massage visage et on demande à l'enfant ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il veut le visage, est-ce qu'il veut le dos, okay. plutôt les mains. C'est vraiment lui qui choisit. Ça, c'est important. Et ensuite, quand ils sont un petit peu plus grands, on peut leur proposer un petit masque. On appelle ça le masque à la gomme magique. Donc, c'est un petit masque qu'on appelle
coagulables. Donc, c'est ces petits masques qu'on applique et qu'on enlève en une seule couche. Donc, les enfants adorent. Et en plus, on retrouve de la praline, du Nutella. Donc, c'est très, très sympathique. Donc, ça, c'est pareil. C'est l'enfant qui choisit son masque. Et ensuite, bah, pour l'adulte, en général, c'est un massage du dos. Donc, ça se passe souvent très, très bien. Voilà. Donc, souvent, les mamans disent, « J'aimerais bien qu'il ait envie de venir faire un massage, du coup. » Donc, voilà. Et donc, on peut avoir... nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de massages, notamment des massages... nos massages autour du monde, puisque Talco... D'accord. Donc, j'allais venir justement sur la question un petit peu de savoir quels sont les types de massages que vous proposez. Voilà, donc là, avec notre marque Talgo, donc ce sont des protocoles de soins qui sont propres à cette marque, on a 4 massages autour du monde. Donc, rien qu'en venant se faire masser, on peut vous faire faire un super voyage. Donc, on peut partir des îles du Pacifique. Donc là, c'est la Polynésie. C'est vraiment le Monoï, la fleur de Tiare. Et donc, on est sur un massage inspiré de manœuvres polynésiennes. D'ailleurs, c'est ces petits accessoires. On va pouvoir aussi accompagner, finaliser le massage manuel. Parce que je peux m'allonger aussi. Tu peux. Avec ces petits ballotins de sable chaud. Donc, c'est très, très sympa aussi. Ensuite, on continue notre petit tour du monde où on peut aller sur les plages de l'Atlantique. Donc là, on va venir plutôt sur la côte africaine. D'accord. Et puis, on va venir, pareil, associer le massage manuel, finaliser avec des cristaux de roche. Donc, c'est inspiré de la lithothérapie. Et là, on enlève les mauvaises énergies et on en redonne des bonnes. Donc, on ressort en pleine forme. Voilà, à fond. Alors, dites-nous bien si ça vous plaît, tous ces massages. Dites-nous si vous avez peut-être déjà testé les massages de Pauline, lequel vous préférez ? Allez-y, un pied noté, c'est maintenant. Maud, elle lève la main. En attendant, on a Bernadette qui dit « Bonne idée pour Noël, massage mamie et petite fille ». C'est vrai que c'est une très, très bonne idée. Bah voilà, là, ça va être un super cadeau. Ouais. Alors, vous nous direz comment ça s'est passé. On s'en est curieux quand même de savoir. Vous nous enverrez un petit message après tout ça, après l'avoir fait avec votre petite fille. Voilà, si elle a aimé et si vous avez apprécié, je pense que vous allez adorer. Donc, du coup, on continue notre petit tour du monde. Ensuite, nous avons Indocéane. Donc, Indocéane, là, c'est l'Inde. On est sur la route des Indes et on est sur un massage inspiré de manœuvres ayurvédiques. D'accord. Alors, il va changer puisqu'on part en formation à la fin du mois. Il va s'appeler Mère des Indes, mais on reste toujours dans le même concept sur le massage inspiré de manœuvres ayurvédiques. Et c'est pas un massage avec des épices. C'est pas un truc qui non. fait... Non, mais par contre, c'est dynamique. Hein. Celui-ci, on a des rythmes très différents. D'accord. Et il désoriente beaucoup parce que souvent, un massage, on commence par le dos ou par les jambes. C'est assez ritualisé. Celui-ci, on va commencer le dos, on va les pieds, la tête. Donc, ça permet de désorienter un petit peu aussi D'accord. la cliente. Okay. Et du coup, d'améliorer le lâcher-prise. Génial. Voilà. Et ensuite, nous avons Merveille Arctique. Donc là, c'est du chaud et du froid. Donc ça peut être un peu surprenant. Okay. Mais justement, on est sur un massage inspiré de c'est des massages suédois. D'accord. Et donc, bien sûr, dans les pieds du Nord, bah, ils passent du chaud au froid. Alors, je te rassure, Tommy, une fois que tu es massé, on ne te jette pas un seau d'eau froide. Un seau de glaçon. On a hésité à le faire, puis on s'est dit, non, ça passerait pas bien. Donc, c'est fini. Là, c'est pour qu'après, voilà, vite, non, bien évidemment, on va venir l'associer avec des petites bulles d'eau froide. D'accord. Et ça qui permet de vivifier le corps, donc c'est très très agréable, notamment pour les personnes qui sont sportives. C'est okay. vraiment très agréable parce que justement, on passe du chaud au froid. Et ça permet des récupérations musculaires, des choses comme ça. Alors après, c'est pareil, c'est pas des massages thérapeutiques. D'accord. Hein, donc on reste okay. sur des massages détente. Mais en tout cas, il y a beaucoup, c'est un massage où on va, il y a beaucoup de manœuvres de malaxage, etc. Donc du coup, ça permet vraiment la détente du muscle. Ok. Il est très décontractant. Une question. On a vraiment des personnes qui cherchent à faire passer des messages. Eden Fashion, bonne idée cadeau pour Noël. Je crois que le message est très clair. Voilà. Allez-y, hein. Ce que vous faites, c'est que même vous identifiez la personne qui pourrait vous offrir ce cadeau en commentaire. Comme ça, on est sûr que ça, le message est passé. Allez-y, hein. À vos claviers.
Donc voilà pour le petit tour du monde. Et puis on a un nouveau massage qui était une escale éphémère. Et là c'est Koh Tao, donc c'est la Thaïlande. Et du coup, bah, nous on n'a pas envie de la rendre éphémère, donc on va la continuer. D'accord. Et donc là voilà, on est sur un massage pareil. Alors c'est toujours de l'inspiration, hein. C'est pas du massage thaïlandais pur, bien évidemment. C'est une inspiration des massages thaïlandais. Donc ça, j'imagine quand même que ça vous prend du temps en formation. Oui, effectivement, puis surtout une bonne mémoire, parce qu'il faut tous les connaître par cœur. Okay. Et les maîtriser, bien évidemment. Donc oui, on passe du temps en formation, mais... Un vrai savoir-faire. C'est un vrai savoir-faire et c'est vraiment un plaisir d'avoir ça entre nos mains. Pour nous, c'est très précieux et c'est aussi pour ça que j'affectionne énormément mon métier. C'est qu'on a un réel savoir-faire entre les mains. Oui, et puis en plus, ça, vous évoluez tout le temps aussi. Constamment. Voilà. Il y a plein de nouveautés, il y a toujours plein de choses à apprendre dans l'esthétique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, génial. Non, j'ai cru que tu avais levé la main, Maud. Non, pas du tout. Tout va bien. Ils sont derrière, ils sont bien sages. Ah, oui, oui. Tu les surveilles, hein. Tu leur dis qu'ils mettent des pouces et des cœurs. Moi, j'en veux plein de partout. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? Ou on reste par là ? Eh ben, écoute, est-ce que tu nous as bien vu en image ? Oui. Oh, oui. On est bien ? Bon, moi, je suis bien. Plutôt pas mal. On est pas mal, regarde. Voilà. On va faire comme ça. Bon, alors maintenant... C'est pas souvent que nous, on est sur les tables. Parlons sérieusement. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous regardent vont apprendre une nouvelle qui est importante. Qui est effectivement... Et du coup, ça nous a fait plaisir que tu attendes ce live pour dévoiler cette nouvelle. Et du coup, cette nouvelle, c'est... On va faire durer. C'est, vous allez le savoir après cette page de publicité. Non... On va y aller. On y va. Allez, tu leur dis. On y va. Bon, ben, comme vous l'avez entendu, je vais faire durer alors. Hein. Bon. Comme vous l'avez entendu la première fois, j'ai déjà déménagé. J'ai dit, allez, jamais 203. Je redéménage. Donc, l'Institut va redéménager. Et là, cette fois, nous serons donc rue Pêcherie. Donc, j'ai été une adoptée de la rue Pêcherie par les commerçants, puisque étant seule dans ma petite rue, ils ont eu la bonté, oui, c'est vrai, la bonté de m'accueillir lorsqu'il y avait des événements. Cette fois, je serai officiellement leur adoptée de la rue. Bon, une adoptée de la rue. Et donc, on va déplacer l'Institut, mais pas que. On va surtout, comme vous avez pu le constater, on a beaucoup de massages différents. Et cet espace est appelé à se développer, puisque nous allons ouvrir une partie spa. Là, voilà. Voilà, voilà. Vous avez bien entendu ? Vous pouvez réserver dès maintenant en ligne. Allez-y. Donc du coup, on va avoir de la balnéothérapie, du sauna ou hammam, et on va pouvoir combiner également aussi, bah, toujours bien évidemment nos massages en duo, mais surtout aussi recevoir des groupes. D'accord. Donc ce qui peut être sympa pour une après-midi ou une ou deux heures entre amis, éventuellement aussi, bah, toujours en duo avec sa moitié. Toujours les parents-enfants, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de déplacer. Donc il va y avoir encore des nouveaux massages. Notamment, on aimerait pouvoir se former au massage prénatal, donc pour D'accord. les femmes enceintes. Super. Donc ça, c'est en prévision. Et puis, nous avons peut-être la possibilité de proposer un massage à quatre mains. Okay, ah, génial. Tu as bien entendu, à quatre mains. Ouais, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Voilà, mais c'est un massage qui demande beaucoup, beaucoup de technicité, puisqu'il faut absolument c'est un vrai binôme. Il faut être synchro. Quoi. Exactement. Donc, du coup, ça veut dire que tu vas aussi agrandir ton équipe, j'imagine ? Donc, j'ai prévu d'agrandir l'équipe. Alors, on est quand même déjà quatre, donc je l'avais déjà agrandi, puisque bon... Normalement, j'aurais dû ouvrir cette année, mais on a pris du retard. Donc, elle a déjà été agrandie puisque maintenant, nous sommes quatre au total. Okay. Et donc, je devrais reprendre à partir de septembre l'année prochaine une nouvelle apprentie en CAP et une nouvelle apprentie aussi en brevet qui va s'éclater chez toi, vu le nombre de temps que restent les filles avec toi. Voilà. Et du coup, ça va se trouver où dans la rue Pêcherie, tu nous as Alors, rue Pêcherie, on est au 13 rue Pêcherie. Donc, c'est juste à côté de la bijouterie Garel. Ok. Voilà,
On touche la bijouterie Garel. Et donc, ce sera effectif à peu près. Alors, il va falloir beaucoup de patience. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travaux. Oui, j'imagine, pour réaliser un spa. On a tout cassé. On repart avec 4 murs. Donc, il y a vraiment tout à créer. C'est ce qui est chouette aussi. Mmh. Et donc là, on espère une ouverture sur septembre 2022. Donc, si c'est avant, c'est mieux. Ça, c'est un petit message à mon mari pour qu'il active les travaux. Mais bon, ça... Bon, du coup, les week-ends finissent les boulots, du coup. Hein. C'est ça. Donc, voilà. Bon, bah ça, c'est une super nouvelle. Du coup, on reviendra forcément te voir à l'ouverture. J'espère bien. Ça, c'est évident. On sera même massé à quatre mains. Je dis ça, je dis rien. Bon, en tout cas, en attendant, on peut toujours te retrouver. Alors, je vais te laisser rappeler où on se trouve, l'adresse, tout ça. Donc là, on est rue Émile Zola. Donc, c'est la petite rue qui est entre le Crédit Mutuel et la boulangerie qui fait l'angle. Et donc, on travaille du mardi au vendredi de 9h à 19h. Donc, on est toujours en non-stop. Okay. On a toujours beaucoup de monde entre midi et 2. D'accord. Et ensuite, le samedi, on travaille de 8h à 16h. Ok. Vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Par la suite, là, c'est pareil, ça va encore évoluer avant les fêtes de Noël, mais vous aurez la possibilité d'acheter vos bons cadeaux directement via Internet. D'accord, génial. Voilà. Donc du coup, des bons cadeaux pour vous faire masser. Voilà. Voilà. Et puis, bah, justement, en plein, c'est dimanche, mince, j'ai oublié le cadeau pour pof, Internet, vous le commandez, vous l'avez même quand on est fermé. Ça, c'est pratique. Petite question. Eric, est-ce qu'on peut rappeler à Eric à partir de quand pour l'espace spa? Eh bien, septembre 2022. Voilà, Eric, préparez la serviette. Vous avez encore un peu de temps. Préparez un joli maillot de bain, la serviette. Septembre 2022, vous allez pouvoir prendre des super moments de détente avec Pauline et son équipe. Alors, tu as aussi site internet, réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Donc, Instagram, Facebook et effectivement, le site internet. Pareil, qui va être tout refait pour qu'on puisse vraiment avoir une accessibilité très facile pour acheter les bons cadeaux et réserver en ligne. Et du coup, moi, j'ai vu un truc à l'entrée que je trouvais plutôt sympa et je pense qu'on peut en parler. Tu as un très, très beau calendrier d'Avent. Ah oui, c'est vrai. On le montre? Allez, allez, on le montre avant de se quitter. Parce que du coup... Alors là, c'est pour les fans de maquillage. Du coup, c'est bientôt les fêtes, c'est bientôt merci. Noël. On va aussi vous donner des idées cadeaux hein, sur tous les lives qu'on va faire comme ça jusqu'à la fin d'année. Ben voilà, si vous savez pas quoi glisser sous le sapin, donc du coup, Pauline vous l'a dit, vous avez le bon cadeau super sympa. Et j'ai vu que tu avais un très beau calendrier de l'Avent. Effectivement. Donc là, c'est un calendrier de l'Avent de maquillage. Est-ce que tu as envie de faire ton curieux? Ah, je ne sais pas, on va l'en demander. Bah, alors, dites-nous, est-ce qu'on ouvre... Allez, on en ouvre un ou deux du calendrier de l'Avent. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Allez-y, dites-nous oui, non, maintenant, tout de suite, mettez des pouces. Allez-y, boum, boum, cliquez. Et on ouvre un petit peu le calendrier de l'Avent. Attends, regarde, on peut le prendre, là? Oh, bien sûr, je t'en prie. Maud, dis-nous. Il y a des pouces. Ça des pouces. Donc, ça veut dire qu'on va ouvrir. Vous voulez quel numéro? Dites-nous du calendrier, quel numéro en avant-première? Bernadette, oui. Nathalie, oui. Il y a des pouces. Allez-y, quel numéro? Quel numéro? Entre 1 et 24. Du coup, et 24. Allez-y, entre 1 et 24. On y va, le premier qui le dit. Attention, ça attention. Va arriver. 8. Le 8. Wendy. Alors, on ouvre le 8. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a dans le 8? Ah, le 8, c'est un rouge à lèvres. Et ben voilà. Bah, je vais pas l'essayer du coup. Hein. Non, on va le laisser. Bon, ça c'est le super. On a Virginie le 14, Bernadette le 11, oh Nathalie le 24. Il n'y aura plus de surprise. Vous emballez pas, mesdames. Il est là, en tout cas, ce super calendrier. Il a retrouvé ici, dans la boutique, l'Institut de beauté Eden à Tarare. Voilà. Et puis effectivement, pour Noël, on commence à recevoir nos coffrets. Donc là, c'est encore timide. On va encore avoir plein de belles choses. On compose beaucoup nos coffrets aussi. On a vraiment la volonté d'avoir des coffrets pour tous les budgets. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on compose beaucoup aussi nos coffrets pour Noël. Parce que ça permet de pouvoir vraiment être très juste sur le budget de notre cliente. Et bah, génial. Voilà. Et puis alors, ce qui plaît bien, c'est le coffret vraiment complet. Où là, on a le produit, c'est-à-dire que c'est le premier cadeau qu'on va pouvoir avoir sous le sapin. Et la petite carte de soins
pour après venir faire son massage. Donc, ça fait vraiment deux cadeaux. Donc, celui-ci fonctionne très, très bien. C'est un cadeau vraiment sous le sapin à ouvrir tout de suite et un deuxième cadeau à profiter dans les mois qui suivent. C'est génial. C'est trop bien. Noël. Voilà. Bon, bah, avec tout ça, je pense que vous avez de quoi mettre sous le sapin cette année. Ça, c'est certain. Pauline, c'était super sympa d'être ensemble et d'être passée avec te voir. Avec grand plaisir. Vous l'aurez compris, hein, si vous avez besoin d'un petit moment, soin, beauté, détente, tout ça, bah, c'est ici que ça se passe. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. C'est là. C'est là. Alors, en tout cas, nous, on ne se quitte pas, puisqu'on se retrouvera vendredi. Vendredi, on ira du côté de Valsonne. Et à Valsonne, nous irons visiter le gîte de la rue de la Tour. Je ne sais pas si tu en as déjà écouté parler. Oui. Un superbe gîte. Alors, on devait y aller il y a déjà quelques semaines, mais malheureusement, il y avait un problème de réseau téléphonique. Donc, du coup, le live était un petit peu compromis. Mais là, cette fois, c'est bon. On y va vendredi et on vous fera découvrir le bain nordique. Donc, ça rejoint, du coup, exactement, j'allais y venir. Elle a aussi une belle prestation que vous allez pouvoir découvrir, du coup, vendredi. Donc, du coup, vous pouvez aller faire un petit bain nordique, un petit massage ici. Voilà, comme ça, vous avez fini le tour du monde que propose Pauline. En tout cas, je vous remercie, on vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre pour tous ces lives. N'oubliez pas que vous pouvez également les retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, si vous avez loupé, vous allez pouvoir vous balader à travers toutes ces vidéos et surtout vous balader à travers tout le territoire et découvrir ou redécouvrir vos commerces de proximité. Voilà, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Merci encore, Pauline, merci de nous avoir reçus. Et puis, à très bientôt. Tu as passé un message, je crois, aussi. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye.